Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Just Giselle. Merci à tous les abonnés. Si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de passer sur ma chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, likez. Merci à tous les abonnés. Aujourd'hui, je viens faire cette vidéo pour vous montrer quelques concentrés éclaircissants pour vous aider à faire vos mélanges. Des fois, dans des commentaires, on me pose des questions. Quel concentré utiliser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour booster nos laits? Et bien voilà, la vidéo est là. La vidéo est là pour les personnes qui cherchent des concentrés à utiliser pour booster leur lait, leur crème, leur lotion. Pour ceux qui ne connaissent pas les concentrés, voici une vidéo qui va vous aider à voir, à découvrir, ou bien vous connaissez déjà, vous-même vous utilisez des concentrés. Dans cette vidéo, il y aura une liste de concentrés qui vont vous aider à éclaircir naturellement, à booster vos laits. Parce que les concentrés, c'est comme les sérums. Mais la différence est que les sérums, c'est liquide. Les concentrés, la texture n'est pas liquide, c'est homogène. C'est comme une crème. Vous voyez, le concentré n'est pas du tout liquide. Si vous voyez un concentré liquide, là, ce n'est pas un bon concentré. Là, c'est le sérum. Ce que vous voyez là, ce que je mets là, c'est le sérum. Je voulais la différence qui existe entre le sérum et le concentré. Ça, c'est le sérum qui est plus. Le sérum, la texture est liquide. C'est vraiment liquide. Par contre, le concentré est homogène. C'est comme, c'est pas vraiment liquide. Déjà, ça s'appelle concentré, donc ça veut dire c'est épais. La pâte, je dirais, c'est épais, donc c'est pas du tout liquide. Un bon concentré n'est pas du tout liquide. Plusieurs concentrés sont faits à base des acides de fruits et d'autres produits. Par exemple, les concentrés peau jaune. Numéro 1, les concentrés peau jaune, c'est fait à base de zeste. C'est fait à base de zé, c'est clarifiant, ça traite la peau, c'est sans hydroquinone. Vous avez les concentrés 42 heures juste. C'est un concentré fait à base de trois fruits. C'est un concentré éclaircissant, correcteur et protecteur. Ça vous protège la peau, ça corrige les imperfections et puis ça vous éclaircit la peau. Tous les concentrés que je vous montre, c'est à mélanger avec votre lait ou soit votre crème. N'appliquez pas directement les concentrés sur les visages ou soit sur les corps, juste comme ça. Il faut les mélanger. Vous avez les concentrés Bel Éclat, Kenacol. Ça, c'est vraiment éclaircissant parce que c'est fait, il y a l'extrait de Kenacol à l'intérieur. Ça éclaircit la peau, ça vous protège. Vous avez les concentrés Megan White. C'est concentré, vraiment, c'est éclaircissant, c'est fait à base des kojic acides, de la carotène et de la vitamine E. C'est un concentré éclaircissant parce qu'il y a l'acide kojic à l'intérieur. La vitamine E va vous hydrater. White Secret. White Secret, c'est une gamme. Il y a le lait, le sérum, il y a tout. Mais ça, c'est son concentré. C'est à mélanger avec votre lait ou soit votre crème ou votre lotion. Parce que White Secret, c'est trop fort. C'est comme BB Clair. Moi, je trouve que White Secret, c'est presque comme BB Clair. Il faut l'utiliser à un certain moment et puis vous arrêtez. Ça, c'est mon préféré. Alors là, les concentrés Blanchisseur Glutathione à la vitamine C. Moi, dans mes mélanges, je mets souvent ces concentrés parce que ça, ça ne donne pas de vergeture, pas de quinto. Au contraire, ça nettoie. C'est fait à base de l'acide de fruits. C'est anti-tache. Il y a la vitamine C à l'intérieur. C'est un concentré vraiment éclaircissant qui vous nettoie, qui vous éclaircit tout en douceur. Vous avez les concentrés Glutathione comprimé. Action rapide. C'est vraiment un bon concentré anti-tache, zéro tache. Ça, c'est le concentré zéro tache. C'est un concentré fait à base de Glutathione. Ça vous éclaircit tout en douceur. Ensuite, nous avons les concentrés teint métis. C'est fait à base des acides des fruits. C'est à mélanger avec votre crème. Comme je répète, n'utilisez pas les concentrés juste comme ça. Il faut mélanger ça avec vos crèmes. Ça, c'est les concentrés teint métis. Vous avez les concentrés light tap. Ça aussi, c'est une gamme. Vous avez le lait, la crème, tout, tout, tout.
Ça, c'est son concentré. Vous pouvez les mélanger avec un lait hydratant ou soit un lait éclaircissant. Ça, c'est votre choix. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez mélanger avec votre concentré Light Tap. Les concentrés Glitassi, ça aussi, c'est une gamme. Ça, c'est les concentrés Glitassi. Il y a la crème, il y a tout. Mais ça, c'est les concentrés pour vous éclaircir, pour booster votre lait si vous cherchez un concentré. Voici Glitassi. Les concentrés Zero Spot, 36 heures propres. C'est fait à base de zé. Les zé nettoient la peau, s'enlèvent les taches, les imperfections. Ça vous purifie le teint. Ça va vous donner un joli teint. Votre teint sera unifié. Les concentrés Zero Spot. Les concentrés peau jaune. C'est fait à base d'acides de fruits. C'est riche, riche en acides de fruits. Ça va vous hydrater, enlever les taches, éclaircir naturellement la peau. Vous avez le laver de teint éclaircissant. C'est un concentré fait à base de carottes et de la vitamine E. Ce concentré est trop fort. Ça vous éclaircit. C'est à mélanger avec votre lait ou soit votre crème, votre lotion. Collagène Extra White. C'est un concentré fait à base d'acide de fruits et de collagène. C'est à mélanger avec votre lait. Ça aussi, c'est très fort. C'est ultra fort. Ça, il faut le mélanger avec votre lait. Ça va vous éclaircir les dos, les pieds, tout. Les concentrés collagène. Vous avez les concentrés Métis Glita Papaya. Super éclaircissant, fait à base d'acide de fruits. Ce qui est bien avec ça c'est pour tout type de peau. C'est pour tout type de peau, je vous assure, c'est concentré. Les concentrés Belfast, ça, c'est fait à base d'acide de fruits aussi. La plupart des concentrés sont faits à base des acides de fruits parce que les fruits sont des éclaircissants naturels. Ça protège aussi la peau. Glutaarbitin collagène, ça aussi, c'est bio. C'est un concentré fait à base de collagène et des acides de fruits. C'est bio en plus, ça vous éclaircit, c'est à mélanger avec votre crème. Cette vidéo, c'est pour aider les personnes qui cherchent de concentrer. Ensuite, nous avons les concentrés piment doux. Piment doux, c'est un concentré qui est fort. Il faut les mélanger avec votre crème. Je ne conseille jamais d'appliquer les concentrés sur le visage. Ne prenez pas votre concentré piment doux et puis vous appliquez sur le visage. Non, il faut les mélanger avec votre crème pour booster votre crème. Ça, c'est les sérums. Vous voyez, les sérums, c'est liquide, mais le concentré vraiment est homogène. Mélangez ça avec vos crèmes, vos laits. Cette vidéo, c'est pour les personnes qui cherchent les concentrés. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir, pour voir des concentrés, pour mélanger, pour booster vos laits, vos crèmes, vos lotions.